annonce une très mauvaise nouvelle. L'acteur préféré de notre pays a été amené à l'hôpital. On apprend qu'elle s'est suicidée. Est-ce un meurtre ou un suicide? On le saura plus tard. S'il vous plaît, restez avec nous. Je m'appelle Masoud Ali avec le caméraman Hazard. S'il y a de la vie, il y aura aussi des envies. Si nous avons des envies, ça veut dire que nous aussi avons de l'espoir. S'il y a de l'espoir, il y aura aussi de la douleur. Et s'il n'y a pas de douleur dans cette vie, peut-on vraiment appeler ça la vie? Oh chérie, amène-moi quelque part. Salut Husney. Où es-tu? Oui tante, je suis là. Où étiez-vous? Je suis allée apporter des légumes. Tu travailles tellement. Tu ne sais pas que ton oncle va venir. Nous devons préparer le petit déjeuner, il se fait tard. Je vais le faire maintenant. Laisse-le. Alors tu iras dire à tout le monde que je te traite mal. Que je te fais travailler toute la journée. Tu le laisses. Je le ferai moi-même. Va sortir la farine. Et écoute, où est Minet? Minet s'est approché du lac. Près du lac? Seul? Oui. Et tu l'as laissé partir? Je sais tout. Je te connais très bien. Tu fais tout ça pour que ma fille soit diffamée. Et tu restes noble aux yeux des gens, n'est-ce pas? Tante, je ne peux même pas penser. Fermez-la. Va la ramener. Son père va venir. Maintenant, allez-vous-en. Annie. La fille prend tellement de temps aujourd'hui. Salut maman. Salut Annie. Tu es encore en retard aujourd'hui. Que pensera Ali s'il te voyait? Maman, je ne sais pas pourquoi as-tu si peur d'Ali. Tu l'as élevé après oncle et tante. Il devrait être reconnaissant. Il m'est reconnaissant. Ma chérie, je veux juste qu'il ne sache jamais que nous ne sommes en réalité pas ce que nous semblons être. Comment le saura-t-il? Tu t'occupes de toutes ces crises de colère. Cet amour et ces soins inutiles sont-ils vraiment nécessaires? C'est nécessaire. Regarde, il répond à tous tes souhaits, parce qu'il pense que c'est sa responsabilité. Et avec moi, il m'accorde beaucoup plus d'importance que ses parents. Et surtout tout le reste. Qu'en penses-tu? Nous devrions abandonner ce style de vie somptueux si facilement. Tu as raison. Mais où est-il? Il doit venir. Thank you.
tu vas rapidement à la cuisine et apporte le petit déjeuner. Je ne veux pas qu'il sache que le cuisinier a préparé le petit déjeuner. Non, maman. Allez, Annie. Allez, ma gentille fille. Salutations, tante, bonjour. Bonjour, mon cœur. Ali, tu étais encore en retard hier soir. Oui. J'ai eu une réunion avec des distributeurs de films. Je comprends, mais ma chérie, ne fais pas autant de travail dur. Votre santé en sera affectée, reposez-vous aussi. Rien ne m'arrivera. Vos prières sont avec moi. Absolument. Salutations, Ali. Salutations, où est le cuisinier? Tu as fait tout ça toi-même. Oui. J'ai dit à Annie de préparer elle-même ton petit déjeuner préféré. Allez, Annie, sers la nourriture. Si vous n'étiez pas là tous les deux, que pouvais-je faire? Vraiment. Vous êtes tout pour moi. Et pour nous aussi, tu es notre tout. Nous n'avons personne d'autre dont nous occuper. Prends ça, Ali. Merci. Prends ça aussi. Que fais-tu? Qui es-tu? Écoute, ne te méprends pas, je suis Vicky. Je veux dire que je m'appelle Wakar Ahmed. Je viens de Lahore. Je te vois depuis plusieurs jours. Ce n'est pas la réponse à notre question. Tu attends ici, j'appellerai mon père. Il te demandera. Attends au moins, écoute-moi un instant. Écoute, je travaille dans une agence de publicité. Je veux que tu aies une chance de devenir mannequin. Et tu peux être à la télé. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que je travaille dans une agence de publicité. Non. Qu'as-tu dit après ça? J'ai dit que je voulais que tu aies une chance de devenir mannequin. Je veux que tu viennes à la télé. Tu veux dire, c'est possible? Puis-je avoir une chance de passer à la télévision? Pourquoi pas? Tu es très beau. Tu ne manques de rien. Tu viens juste de venir en ville avec moi une fois, je vous promets. Ta vie va changer. Mais quelle est la garantie? Que ce que tu dis est vrai? Pourquoi dois-je te mentir? C'est mon travail. Pour aider les beaux visages. Atteindre leur destin. Je veux dire, mêlés sur l'écran de télévision. Et tous ces grands noms célèbres. Je les ai tous présentés. Je fais toutes les tâches ménagères seule. Personne ne vient à mon aide. Je travaille toute la journée. Que s'est-il passé avec Naïk Baktaï? Ce qui s'est passé? Ce qui se produit? Je fais toutes les tâches ménagères seule. Où sont les filles? Filles. Le pauvre Manet étudiait toute la nuit. Même alors, elle est venue le matin pour m'aider. Je l'ai refusée. Et toi, ma belle? Elle n'aime pas travailler. Qu'est-ce que tu dis?
Osna n'est pas comme ça. Et je mens? Non, pour l'amour de Dieu. Elle est une enfant orpheline. Réfléchissez-y et oubliez ses erreurs. Tu veux dire que je la maltraite? N'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, réfléchis grec. Elle était un si petit bébé. Je l'ai élevée pour être une jeune fille. Je lui ai donné la part de nourriture de ma fille. Donc tu ne lui as pas rendu service. Elle a un droit sur moi. Maïra Khan? Tu as dû entendre parler de Maïra Khan? Oh mon Dieu! As-tu fait de Maïra Khan une star? Salut mec! Miné. Ce qui s'est passé? Je dois y aller pour l'instant, je te verrai plus tard. J'arrive. Oui. Mais dis-moi, où habites-tu? Je veux dire, où restes-tu? Je reste dans la maison d'hôte près du pont. Là. Dans la maison d'hôte? Si venir là-bas est difficile, dis-moi un autre endroit. Miné. Je vous verrai plus tard. J'arrive. Où étiez-vous? Je te trouvais depuis longtemps. J'étais au bord du lac. Tu parlais à quelqu'un. De qui parles-tu? Vraiment? Je pensais que tu parlais avec quelqu'un. Maintenant, allez, tante t'appelle. J'ai encore été grondée à cause de toi. C'est la vieille habitude de ma mère, gronder tout le temps. Tante a raison. Je suis un fardeau pour cette famille. C'était mieux si j'étais mort avec mes parents. Usna, tu es folle. Père t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Allez, souris pour une fois, ma chérie. Allez maintenant, tante nous attend. Ou je me ferai gronder à cause de toi. Je rentrerai chez moi, mais avant ça j'achèterai un CD de film de la boutique d'Akram. Es-tu devenu fou? Viens à la maison. Oncle et tante m'enlèveront la vie. S'ils l'apprenaient. Comment le sauront-ils? Je vais le regarder en secret. Allez. Miné, tu vas me faire tuer. Usna, arrête d'avoir peur. Tu es vraiment un lâche. Allez. Pourquoi es-tu si en colère? Je voulais juste vous dire. Ce mec a grandi maintenant. Pense à son mariage. Quel est le problème? La punition d'Abdul Kader touche à sa fin. Abdul Kader. Il a tué sa sœur. Parce que sa sœur lui a fait du déshonneur. C'était sa punition. Mais. Il n'y a pas de si ni de mais. Je ne romprai pas ma promesse. Mané ne se mariera qu'avec Abdul Kader. Je ne peux plus courir. Allez. Tu sais que notre vie est menacée, partons d'ici. Allez. Je la laisse.
Qu'est-ce que tu regardes? Qu'en penses-tu? Je n'ai pas de cœur dans ma poitrine. Que je ne prendrai pas soin de ma petite sœur. Je te quitte, maintenant pars. Merci. Merci beaucoup, frère. Je prendrai beaucoup soin de ta sœur. Frère, tu nous as pardonné. Oui, je t'ai pardonné. Maintenant, vas-y. Allez, Bano, allons-y. Monsieur, qu'avez-vous fait? Tu les as libérés. Oui. Je les ai libérés. Je les ai libérés pour toujours. Abdou Kadir. Viens, tu as été libéré sous caution. Tante, laisse-moi le faire. Tu laisses tomber, ne fais pas semblant devant moi. Tu gaspilles tout le temps l'argent de mon mari. Alors pourquoi ce drame? Dis-moi, tu n'as pas pitié de nous? Toi. Pourquoi ne pars-tu pas d'ici? Chère tante, où vais-je aller? Je n'ai personne dans ce monde à part toi. Va au diable, je m'en fiche de toi. Assez. C'est une maison, ce n'est pas un orphelinat. C'est déjà difficile de faire deux repas. Et toi, tout ce qui t'importe, ce sont tes souhaits. Vends tout, vends cette maison, vends nos vêtements aussi, vendre tout. Que s'est-il passé? Pourquoi cries-tu après cette pauvre fille? Oh! Tu es là aussi pour défendre les orphelins. Qu'a fait la pauvre fille? Ce qu'elle a fait? Elle parlait avec ton père hier. Pour obtenir son admission au collège, il faudra de l'argent. S'il dépense tout son argent pour elle, alors comment obtiendra-t-il de l'argent pour votre mariage? En ce qui concerne mon mariage, tu l'oublies. Oublie ça. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu écoutes. Maintenant donne-moi à manger, j'ai faim. Allez maman. Allez. Salut Usna. Écoutez-moi. Salut Usna. Laisse-moi d'abord t'atteindre. Usna. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, à quoi ça sert de pleurer? Tu connais très bien maman. Elle était déraisonnablement en colère contre toi. Que dois-je faire d'autre sinon pleurer? Si je suis né orphelin, quelle est mon erreur? Je vais te gifler. Tu n'es pas orphelin. Mon père est avec toi. Je t'aime beaucoup. Allez, arrête de pleurer. Laisse-moi pleurer. Ok, alors pleure. Tu dois te préparer après ça. Sois prêt. Avez-vous oublié? Nous devons aller au Mendi de Samina le soir. Je n'irai pas. Mais tu dois venir avec moi, ma chère Usna. Si tu n'y vas pas, qui viendra à ton mariage? Se lever. Lève-toi, ma chère Usna. Tu me chatouilles. Oui, je veux te chatouiller. Arrête de me chatouiller. Je veux que vous riez. Non, arrête s'il te plaît. Je vais. Tu t'arrêtes là. Arrête Usna, tu t'arrêtes là. Abdul Kadir. Nous vous quittons aujourd'hui. Parce que la loi exige un témoin. Et personne n'est prêt à témoigner contre toi.
Je sais que vous êtes très puissant et influent dans cette région. Mais souviens-toi de ça, que je ne te quitterai pas. Mais vous me quittez, MR. Inspecteur, je peux voir l'impuissance sur ton visage. Tu sais que j'ai pitié de toi. Tu te tais. Mes mains sont liées à cause des règles et des lois. Sinon, je n'hésite pas à tirer sur un meurtrier, comme toi moi-même. Inspecteur monsieur, je connais très bien toi et ta loi. Vous êtes tous les deux très faibles. Vous ne pouvez pas me faire de mal tous les deux. Seul le temps te le dira. Vous êtes responsable de la mort de deux innocents. Et toi? Vous ne pouvez pas vous échapper. Ce sont les possessions d'Abdul Kader. Pourquoi tu n'expliques pas Ali? Tu lui as tout remis. Tu vas au bureau aussi. Mais nous dépendons toujours de lui pour chaque centime. Qui te l'a dit? Regarde Annie. Je suis le gardien d'Ali. Tout ce que nous avons, en fait, tout appartient à Ali. Et maintenant sans sa permission. Je ne peux rien utiliser. Et Ali, tu étais là, je pensais que tu étais allé au bureau. Que s'est-il passé, tante? Rien. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un problème? Non, il n'y en a pas. Tante, tu ne me le diras pas? En fait, il y a l'anniversaire d'Annie approche. C'est une enfant. Elle veut faire la fête avec ses amis. Si son père était en vie aujourd'hui, la situation pourrait être différente. Tante, c'est une chose si triviale. Combien tu tiens à moi toute ta vie? J'ai réussi aujourd'hui grâce à toi. Toi et Annie avez tous les droits sur moi. Et Annie, toi. Pourquoi déranges-tu tante? Tout ce dont vous avez besoin est le montant que vous voulez. Prends-le-moi directement. Voilà. Merci. Ok tante, je vais y aller maintenant, je me fais très tard. Ali. Je serai heureux si tu viens aussi. Cher. C'est difficile. Mais je vais essayer. D'accord. Maman. Je n'appellerai pas Ali. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Annie, après tout, tu dois passer toute ta vie avec lui. Maman, ça n'arrivera pas. Regarde, je travaille dans une agence de publicité. Je veux que tu aies une chance de devenir mannequin et que tu viennes à la télé. D'où vient-il? Abdul Kader, tu es ici? Mais toi? J'étais en prison. C'est ce que tu veux dire. Il n'y a pas de prison qui puisse capturer Abdul Kader depuis très longtemps. Sauf votre. Tes beaux yeux. Je suis emprisonné dans tes beaux yeux. Mon père n'est pas à la maison, tu pars d'ici.
Ok, mais... ta mère doit être à l'intérieur. Minet. Minet. Votre Abdulkader est là. Salutations. Salutations. Abdulkader, tu étais... Je viens de sortir de prison et je suis venu directement ici. Très bien. En fait, tu as mon appartenance ici. Mon cher fils Abdulkader est de retour. Abdulkader est là, apporte quelque chose à manger. Maître monsieur, je suis venu ici pour décider quelque chose. Dis-moi de t'asseoir ici. Assieds-toi ici mon fils. Oui. Maître monsieur, décidez vite du mariage. Maintenant, je ne peux plus attendre. Je ferai tout ce que tu dis, mon fils. Palouachet, où est le plateau de Mendy? Amène-le ici, rapidement. Dieu soit loué. Comment vas-tu ici? Le frère de la mariée est mon ami. Bien. Puis-je dire quelque chose? Dire. Tu es très jolie aujourd'hui. Alors, qu'as-tu pensé de mon offre? Quelle offre? Tu es ici avec moi maintenant. Ça veut dire que tu es aussi. S'intéresse à moi. J'ai besoin de temps. Ok, ok. Mais j'attendrai. Faites-vous ici? Pourquoi demandes-tu? Tu es ma future femme. Future femme. Pas une vraie femme. Et jamais. Essaie d'arrêter mon chemin comme ça. Abdulkader. Mauvais. Une fois que tu es devenue ma femme, alors tous tes chemins commenceront et se termineront avec moi. Mon cher. Prends cette eau. Donne-moi. Le père de Mena. Réfléchis encore une fois. À propos de quoi? À propos du mariage de Mena. Pourquoi y penser? Je te l'ai dit. J'ai fait une promesse avec Abdulkader. C'est bon. Mais... Nouvre Mena est instruite. Et Abdulkader est complètement ignorant. Et il est très impétueux aussi. La colère est la fierté d'un patan. Et l'éducation? Quel est le lien entre l'éducation et le mariage? Abdulkader m'a rendu de nombreux services.
Il nous a accordé de gros prêts. Aujourd'hui, si nous sommes prospères, c'est grâce à Abdul Qadir. Je sais que tu as raison, mais... quel est le problème de repenser? Et Mena sera-t-elle d'accord avec ça? Comment ne sera-t-elle pas d'accord? Et quelle est la nécessité de lui demander? Regarde Shaista. Je ne peux pas gâcher ma relation avec Abdul Qadir. Il a une grande influence dans ce domaine. Si nous parlions contre sa volonté, il ne nous laissera pas vivre dans cette région. Je ne veux plus en entendre parler. Et dis-moi, elle ne se mariera qu'avec Abdul Qadir. Waouh! Quel beau visage! Vicky, si elle est entrée dans ton piège, ta vie entière sera faite. Bonjour. Comment vas-tu? Où es-tu? Tu ne m'as pas appelé une seule fois. Tu sais que je suis très contrariée. Tu n'as pas l'intention de revenir. Non, en fait, j'étais sur le point de t'appeler. Comment puis-je oublier mon amour? Ce qu'ils disent. Un serviteur n'a pas de crise de colère. Et je ne suis qu'un serviteur pour toi. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je peux te trouver un bon travail en demandant à Ali. Avant le mariage, je ne veux pas. Profitez de votre famille. Mais pourquoi? Après le mariage, tu feras partie de cette famille. Tout sera à toi. J'attends le moment. Quand tu seras à moi? Quand reviendras-tu? Dans quelques jours. Je ne peux plus attendre. Tu, s'il te plaît, reviens. Je viendrai, mais... Qu'est-ce que c'est, Vicky? Pourquoi es-tu silencieux? En fait, j'ai besoin d'argent. Je te rendrai l'argent bientôt. Que s'est-il passé, Vicky? Il n'y a pas d'argent pour toi et pour moi. Tu auras autant que tu veux. Merci, Annie. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Reviens bientôt. Tu me manques. Que dois-je faire? Dois-je accepter ce que Vicky m'a dit? Si j'acceptais ce qu'il m'a dit, est-ce que mon père me donnera la permission? Non. Jamais. Et Abdul Qadir? Je pense qu'il va même me tuer. Ce qu'il faut faire. Tu es là. Je te trouvais dans toute la maison. Mena, êtes-vous inquiet? Pourquoi vais-je m'inquiéter? Pourquoi tu as l'air bouleversé alors? Rien, Usna. Il y a quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que mon frère a dit? Rien, ne me dérange pas maintenant, Usna. Ok, ne sois pas contrarié. Ne me dérange pas. Moi, au moins, écoute-moi. Où est Miné? Je ne la vois nulle part. Où sera-t-elle? Elle doit être en train de pétrir la pâte dans la cuisine. Elle continue de travailler toute la journée. Cher oncle, mon frère l'a apportée. Pourquoi tu mets ça ici? Salutations. Chère tante, comment vas-tu? Asseyez-vous ici. Prends ça et mets-le dans la cuisine. Allez. Dois-je apporter du thé? Oui. Apporte du thé. Fils Abdul Qadir, tu es là tôt le matin, tu vas bien? Oui, tante, je vais bien. Maître monsieur. Tu sais très bien. Je n'ai pas d'aîné dans la famille. Alors j'ai pensé que je devrais venir te voir moi-même et en parler. Oui, mon fils parle. Maître, je voulais dire que moi et Mena devrions nous marier le plus tôt possible. Je ne peux plus attendre. Nous n'avons aucune objection non plus. C'est une question de bonheur pour nous. Vraiment. Ok, alors je viendrai demain, j'apporterai certains de mes amis.
nous aurons un mariage. Ça va. Mais quelle est cette urgence? Nous devrions d'abord demander à Mena. Quoi? A-t-elle des objections? Maître Monsieur, tu sais très bien. Si vous le refusez, les conséquences seront très mauvaises.